Donc bonjour à tous, moi c'est Jérémy. Aujourd'hui je suis revenu donc dans cette forêt. Parce que la fois que je suis venu, j'ai entendu des choses, des PVE. Donc c'est pourquoi en fait je suis revenu pour savoir ce qui se passe donc dans cette forêt. Et puis entendre, la fois quand je suis venu, j'ai entendu un cri et j'ai vu quelque chose sur un arbre. Et j'ai vu quelque chose dans la forêt surtout. Donc c'est pourquoi en fait je suis revenu donc ici. Et en fait avoir des réponses. Donc en plus aujourd'hui c'est qu'en fait on a un beau temps. Donc c'est pour ça que j'en profite donc pour en venir. Et en tout cas j'espère que cette enquête en tout cas va me donner des réponses. Et surtout savoir en fait qu'est-ce qui se passe. Donc l'enquête débute, comme dirait l'autre. Allez, mettre ça en route. Voilà. Donc on va passer par là. Je vais par là, ça monte. Et j'ai pas envie que ça monte. Donc bonjour. Donc bonjour, je m'appelle Jérémy. Et une fois quand je suis venu, je vous ai entendu. Donc c'est pourquoi qu'aujourd'hui donc je suis revenu pour savoir. Bon en fait pour que j'ai des réponses à mes questions, donc ça va aller très vite, pour que j'ai des réponses à mes questions. Donc il faut savoir que le terrain en fait est encore. C'est la gadoue de la gadoue de la gadoue. En fait pour avoir des réponses, ça glisse en plus. Alors faut savoir que je suis venu en basket. Hein. Malheureusement, et que j'ai du mal à marcher sur le terrain, sur le chemin. Donc j'ai pas envie de me casser la gueule, comme dirait l'autre. Hein. C'est pourquoi je suis venu avec une deuxième GoPro pour savoir ce qui se passe derrière moi. Et je suis venu pour avoir des réponses, surtout. Il faut savoir que la dernière fois que je suis venu, j'ai entendu des choses donc ici. C'est pourquoi je vais parcourir donc les chemins avec cette gadoue. Et donc voilà, en fait voilà, moi je m'appelle Jérémy. Je suis un chercheur donc de l'au-delà. Je suis un chercheur pour avoir des réponses. N'hésitez pas à. Faut savoir que mes appareils sont inoffensifs pour vous. Ils ne peuvent pas vous faire du mal. Juste en fait mes appareils peuvent communiquer, donc peuvent vous entendre, que moi à l'œil, à mes oreilles et à mes yeux, je peux pas vous entendre. Donc n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et juste en fait faut savoir juste. Oh putain, il y a un truc là-bas, mais non, c'est un sac plastique. Donc j'ai juste envie d'avoir des réponses. J'entends des bruits environnement aussi. Il faut savoir qu'il y a des bruits environnement, donc il y a des oiseaux. Hein, il y a des branches qui craquent de partout. Mais en tout cas, la dernière fois que je suis venu, j'ai entendu un cri. Donc je ne sais pas si c'était un cri d'être humain ou un cri de quelque chose. Donc quelque chose donc comme je sais pas quoi. Je sais que cette forêt est une forêt agréable. Une forêt où là, il y a des personnes qui veillent sur vous, donc de là-haut. Donc du paradis. Moi, je suis pas là pour vous ennuyer. Je suis pas là pour vous embêter. Donc faut savoir que je parcours le chemin là. Hein. Je suis venu tout seul. La dernière fois que je suis venu donc de nuit, j'ai aperçu peut-être un animal ou je sais pas quoi. Et donc n'hésitez pas à communiquer avec moi. Donc c'est pourquoi que j'ai emmené cette GoPro là. Je suis déjà à deux batteries alors que je l'ai chargé avant de partir. Donc il faut savoir qu'il y a, bon, à part ça, il y a plein d'arbres. Il y a plein d'arbres. Donc ils sont
À part les oiseaux que vous entendez, bien sûr. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des choses ou pas, que moi peut-être que j'ai pas vu. Hein. Faut savoir qu'aussi il y a beaucoup de promeneurs et des gens qui viennent en vélo ici. Donc après c'est peut-être le fait, peut-être que c'est eux ou je sais pas. Mais donc on va pas faire beaucoup de bruit parce qu'il y a des promeneurs là-bas. Excusez-moi, j'ai zoomé un peu trop. Voilà. Donc en fait, faut savoir que ici, c'est une forêt où là, j'ai entendu pas mal de PVE ici. Surtout du côté donc ici là-bas. Faut savoir que le chemin est vachement gadouilleux. Donc c'est pourquoi que je vais essayer de parcourir quelques chemins qui sont pas gadouilleux du tout. Je me suis dit que par contre ça glisse énormément donc je dois faire attention là où je mets les pieds. Donc c'est là la dernière fois que j'ai vu quelque chose ici. Donc par ici j'ai vu quelque chose de noir donc par là-bas. Derrière moi, c'est l'air agréable, il n'y a personne. C'est une belle journée pour faire une enquête. Donc c'est moi qui viens de faire craquer quelque chose. C'est moi qui viens de faire craquer un morceau de bois, je veux dire. Surtout, vous inquiétez pas. Donc je m'appelle Jérémy. À force, je pense que vous me connaissez. N'hésitez pas donc à communiquer avec moi. Je vais pas rester des heures ici parce que j'aimerais peut-être faire d'autres enquêtes, mais pas ici donc, mais ailleurs. C'est la dernière fois que je pense que je reviendrai ici. Je pense que c'est peut-être la dernière fois que je vais venir ici, donc 2 jours, faire des enquêtes. Donc ailleurs. N'hésitez pas donc à communiquer avec moi. Donc ce que je vais faire, c'est que faut savoir que j'ai une application que je vais utiliser donc maintenant. Donc je vais mettre l'application. Donc c'est une application Spiritbox. Je sais que ça peut peut-être vous perturber. Donc hop. On va mettre 600 secondes. Voilà. Et c'est parti. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Donc bonjour, je m'appelle Jérémy. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Désolé aussi. Agnolet. Agnolet. Donc ça veut dire... Qu'est-ce que vous entendez par agnolet? Faut savoir qu'il y a des gens là-bas, donc... Tirage. Ok. Union sauve, traduisez. Donc vous voulez que je traduise? Donc je suis un enquêteur donc à la recherche de l'au-delà. Je ne suis pas là comme je vous dis pour vous embêter, vous ennuyer. Voulez-vous communiquer qui en ce moment est avec moi? Êtes-vous vers la lumière blanche? Attendez. Je vais faire un truc. Applaudissements. Redites. Ah. Redites. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc en fait, je vais rester comme ça parce que pour moi, c'est mieux. Idolâtrie. Donc idolâtrie, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolé.
Donc, Couché. couché. Vous êtes couché? Quelque part ici? Entrant. Oui, je suis entré dans la forêt. Entrant. Je suis entré dans cette forêt. J'ai essayé de communiquer avec vous, simplement pour vous dire que. Diron. Diron. Vous voulez dire quoi? Faut savoir que je n'ai pas utilisé donc le K2. Juste. Donc. La Spear Xbox. Diron, en fait, vous voulez dire quoi en fait dans cette forêt? Alors, je... Être bon. Ah, très bon. Oui, je suis quelqu'un de bien. Ah, Habillement. habillement, oui, je suis habillé. Je porte des vêtements sur moi. Nicolas te chiffon. Chiffon. Ah, Nicole. Pilote. Pilote. Non, je suis pas un pilote d'avion, je suis désolé pour vous. Civilement. Oui, je suis quelqu'un qui vient en civil. Alors, je sais pas, mais j'ai cru voir. Je suis pas sûr. Quelque chose de blanc. On part là-bas. Donc, en tout cas, derrière moi, tout est clean parce que j'ai emmené donc la GoPro avec moi. Vous voulez faire passer un message? Donc on va essayer de se déplacer, hein. On va pas rester au même endroit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer pour passer par là. Puis on va essayer de passer par là, par le chemin directement. Laxatif. Laxatif. Non, j'ai pas de laxatif sur moi, non. J'ai pas envie d'avoir de laxatif. Il faut savoir que ça, c'est ce truc que j'ai donc avec moi. Donc excusez-moi, mais j'essaie de. Voilà. Or. Or. Or quoi? Voilà. Donc je suis passé par là. Quel est votre prénom? Et combien êtes-vous ici? Il faut savoir qu'il y a des marcheurs. Je ne vais pas trop parler trop fort. Combien êtes-vous ici, dans cette forêt? La copyright dédaigneusement. Dédaigneusement, ok. Il faut savoir qu'il y a une fois que je suis venu, ça m'a dit mauvais. Est-ce que la personne mauvaise est toujours ici? Faut savoir que je vais pas, comme je vous dis, je vais pas rester longtemps donc dans cette forêt. Alors, excusez-moi si ça bouge, mais je suis en train de descendre, monter des chemins. Croisé, donc on s'est croisé, ok. Ok, donc on s'est croisé. Donc je bouge énormément, je suis désolé, hein. Mais faut savoir que je suis obligé de parcourir le chemin pour avoir des réponses. Combien êtes-vous ici dans cette forêt? Faut savoir que je ne vais pas rester longtemps, comme je vous dis. Croisé, vous êtes. Donc on s'est croisé quelque part alors. Expié. Approprié à copyright. Approprié. J'ai rien approprié personnellement. J'ai rien contre vous. Pré-copyright voyait. Prévoyez. Comportait. Comporter. Agir. Agir. Comportement des gens, agir. Contre l'environnement. Ne pas faire quelque chose de fou. Ne pas faire quelque chose de fou. Comme. Comme quoi? Mensuel. Mensuel. Donc. Vicieux. Vicieux. Mensuel, vicieux. Mensuel, le prélèvement, vicieux. Regarder des gens, peut-être. Snob. Snob. Être snob, en fait, ça veut dire ne pas calculer les gens pour moi. Torrent 2. Torrent 2.
Je pense que j'ai besoin de réponses en fait. J'ai pas besoin de tous ces mots-là. Speech. Speech. Il y a quelque chose de speech, alors je sais pas ce que ça veut dire. Speech, hein, excusez-moi, mais. Combien êtes-vous ici? Faut savoir que c'est peut-être ma dernière enquête donc ici dans ces bois. Roi des mouches. Roi des mouches, ok. En fait, vous êtes les rois des mouches, quoi. Vous êtes des rois des moucherons, quoi, on va dire. C'est ça? Ça va? Graal. Graal. Ah, donc le Graal fait roi Merlin en fait. Donc ici, c'est peut-être un truc de roi Merlin. Le Graal, pour moi, c'est château, qui veut dire château ici. Faut savoir que ça sera la dernière, comme je vous dis, ça sera peut-être la dernière fois que je viendrai ici, donc dans ces bois, donc 2 jours. Et que je ferai d'autres enquêtes, donc dans un autre lieu. Sensibilita, copyright. Sensibilité, ok. Je suis sensible, ouais, ok. Agence. Agence, non, je suis pas une agence. Je suis pas là pour détruire Contact, cette forêt. copyright. Faut savoir que je suis pas là pour détruire cette forêt. Je suis là justement pour communiquer avec vous. Dites-moi combien êtes-vous ici, juste dans cette forêt. C'est tout ce que je veux savoir. Votre nom, votre prénom, et savoir pourquoi vous étiez ici, pourquoi vous n'êtes pas parti au paradis. Circonstances. Circonstances. Ok. Circonstances. Donc on va parler moins fort parce que il y a des marcheurs. Ok. Circonstances de quoi? Faut savoir que c'est implantation. implantation. Je pense que c'est La copyright nonciation. dénonciation. Je pense qu'ils ont peur qu'il y ait eu quelque chose qui va se produire ici. Hein, non, excusez-moi, je parcours les bois, mais Roulant. roulant. Quelque chose de roulant. Il n'y a rien de roulant, mais bon. Qu'est-ce que vous pensez des arbres qui sont marqués en orange? Avez-vous peur? Loi marque déposée TR puanteur. Puanteur. Puanteur, puanteur. Non, ça sent bon dans la forêt, ça sent le frais. Peut-être la gadoue que vous sentez, peut-être c'est ça, peut-être ça. Faut savoir que. Moi, je veux savoir s'il y a quelqu'un avec moi. Personnellement. Quel est votre prénom? Faut savoir que les entités qui sont ici doivent rester ici au nom de Dieu, Jésus-Christ. Amen. Les choses qui sont ici doivent rester ici. Ne pas me suivre, s'il vous plaît. Donc il faut savoir que je communique avec Spirit Box, mais pour moi personnellement il n'y a presque plus grand chose ici. Depuis le temps que je viens, j'ai entendu des choses, mais là voilà quoi, on va remettre un coup de Spirit Box, donc on va bien voir. Mais donc comme je vous dis, pour moi ça sera peut-être la dernière fois que je viens ici. Parce que après donc j'essaierai de faire des enquêtes, mettre donc dans d'autres lieux et puis pourquoi pas chercher autre part quoi. Mais on va continuer quoi qu'il arrive. Rendement. Rendement. Agressivement. Non, je ne suis pas agressif. Ah, peut-être que vous êtes agressif. Vous voyez une personne comme moi, donc vous voulez peut-être m'agresser, peut-être, c'est ça? Moi, je suis protégé par Dieu. Jésus-Christ et mon maître Bouddha. Direction. Direction. Oui, j'étais dans les directions du bois. J'ai parcouru. Donc, j'ai parcouru ce bois. Faut savoir que il n'y a pas Braquer. braqué. Oui, je mets ma direction droite-gauche. Je tourne, j'essaye de voir des choses. Peut-être que vous êtes Flou. flou. Combinaison. Combinaison. Non, je suis pas en combinaison.
Alors, je ne suis pas en combinaison, il faut savoir ça. Organe. Organe. Organe vitaux. Succession. Succession. Ça peut être une maison. Je vois des maisons en hauteur, donc c'est peut-être ça. Giscard. Giscard. Alors, Giscard. Je vois pas qui c'est. Activement. Activement. Giscard activement. Bon, on va continuer de marcher dans ce lieu. Hein. Donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette enquête. Donc de jour. Donc comme je vous dis, au moins ça sera peut-être la dernière fois que je viens ici. N'hésitez pas à me dire si vous entendez des choses. Batte. N'hésitez pas à me dire si vous avez entendu des choses. Entendu des choses ou peut-être que vous avez vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il faut savoir qu'il y a une fois qu'on chine. Failloté. Non, je suis pas un faillot, non. Directoire. Directoire, oui, je vais directement vers la sortie. Parce qu'il faut savoir que dans cette forêt. Sous-marin. Sous-marin. Bon, on va arrêter l'application, je pense. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, faut savoir que. La dernière fois que je suis venu, j'avais entendu donc des cris ici. Donc, dans cette forêt. Savoir que j'avais aperçu des choses, donc ici. Attendez, je défais l'application, sinon ça va me casser les bonbons. Faut savoir qu'il y a une fois, comme je vous dis, j'ai entendu donc un cri ici, aperçu donc des choses ici. Et puis là, quand je viens ici maintenant, donc tout est calme, tout est calme. Alors, faut savoir que je marche dans la gadoue à 100 ans. Ma femme va péter un câble quand on va voir les chaussures, laisse tomber. Excusez-moi, mais je parle et tout, mais comme je dis, la fois que je suis venu, j'ai entendu, j'ai vu donc une forme noire ici, une forme blanche, et j'ai entendu pas mal de PV, mais là, cette fois, pour moi, on dirait que c'est vraiment, vraiment calme. Là, que c'est le calme est revenu. Est-ce que les est-ce que la chose que j'ai entendue ici peut-être a traversé donc le mur de lumière, je vais appeler ça comme ça. Donc le mur de lumière. Et puis en tout cas pour ma part, j'ai pas de sensation au niveau de la poitrine. Je suis pas donc stressé ni angoissé, je me sens bien. J'ai pas. C'est comme si, je sais pas, quelque chose avait disparu dans cette forêt. Donc je vais éteindre la GoPro parce que non, ça sert à rien. Voilà. Voilà. J'ai éteint la GoPro parce que ça sert à rien. Mais de toute façon, je vais regarder les rushs de la GoPro. Mais faut savoir, comme je vous disais, c'est comme si, je sais pas, quelque chose avait disparu dans cette forêt. D'habitude, j'entends des choses et là, j'entends plus rien, quoi. Est-ce que ça a traversé le mur de lumière? Ou est-ce que les choses qui étaient ici sont parties ailleurs? C'est peut-être possible aussi. En tout cas, pour ma part, comme je vous dis, ça serait peut-être ma dernière enquête ici dans cette forêt. Je vais réfléchir. Et puis, en attendant que je refasse des enquêtes de nuit, parce que bon, faut que je me recommande une lumière, donc une lumière puissante. Mais en tout cas, en attendant, j'espère qu'en tout cas, cette enquête vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, à liker, à partager cette vidéo,
Et surtout, faites attention à vous quand vous partez en enquête, comme moi je le fais. Et en tout cas, bah, je vais sortir de cette forêt, puis bah, on va terminer là, quoi. Donc c'est parti. Faut savoir qu'il y a des gens. Faut savoir qu'il y a des gens. Donc attendez, je vais attendre qu'ils partent. Parce que j'ai pas envie qu'ils me voient. Donc en attendant, je vais continuer quand même à filmer. Donc ici. Je vais essayer de refaire un. Je refais pas un passage donc dans les bois, mais juste rester là en attendant que les gens partent. Donc voilà, ils sont presque au bout, on va y aller. Comme je vous dis, cette enquête, personnellement, c'est ça fait plaisir de revenir. Il y a longtemps que j'ai pas revenu, mais il faut savoir que j'ai rêvé de cette forêt, comme si quelque chose me rappelait, mais j'ai rien entendu, j'ai rien entendu. Je sais pas. Donc, en tout cas, moi je vous dis bah, à la prochaine fois, puis je vous dis ciao.